Bonjour à toutes et à tous. Vous avez envie d'une petite création, quelque chose de facile, sympa, pas trop compliqué? Oui, alors on y va. Pour prendre la mesure de la cabine, écartez vos bras. Ça vous donnera la profondeur de la cabine. La longueur sera votre hauteur. La largeur de la cabine, ça fait 1,40 m. N'étant pas assez large, je vais devoir rajouter un morceau pour avoir assez de longueur. La bande, la largeur, c'est 40 cm sur 1,40 m. Coupez ce morceau deux fois, idem la bande rajoutée deux fois, endroit de la bande avec endroit de tissu, épinglez tout le long et piquez la valeur du pied presseur, point d'arrêt début et fin. Le sort-fil ou le zigzag le fait, la couture de la bande la mettre vers le haut et faites une piqûre nervure tout le long. Vous avez fait les deux morceaux pareils. Passez un point du zigzag au surfilet sur la longueur. Endroit sur endroit, épinglez les deux morceaux sur toute la longueur. Cette partie représente le bas de la cabine. Sur le côté du haut, piquez 52 cm. Laissez une ouverture de 20 cm. Et piquez à nouveau de la fin de l'ouverture jusqu'en bas. Et vous faites la même chose pour les deux côtés. Mettez bien les deux coutures en face l'une de l'autre. Repassez les coutures de côté en ouvrant la couture et bien aplatir au niveau de l'ouverture. Faites une surpiqûre de 3 mm tout autour de l'ouverture. Ça vous donnera ce résultat et vous faites la même chose pour l'autre ouverture. Faire l'ourlet du bas, 1 cm sur 1 cm et piquer. Faites tout le tour. Faire l'ourlet du haut, plier 1 cm sur 1 cm, piquer tout autour en laissant une ouverture pour le passage de l'élastique. Coupez un élastique fin, 65 cm de long. À l'aide d'une épingle à nourrice, introduire dans l'ouverture et faites le tour. Attachez l'autre bout avec l'épingle à nourrice, l'accrochez à votre tissu. Cela vous permettra de faire le tour sans que votre élastique ne s'échappe. Faites un double nœud à l'extrémité, entrez le nœud à l'intérieur, fermez la petite ouverture avec une couture. Et voilà, votre élastique fini. La hauteur est parfaite. Vous constaterez par vous-même la largeur qui est très importante, qui vous donnera de l'aisance et un confort total pour vous changer. Enlever ou mettre votre maillot ne sera plus un problème. Quant aux fentes, elles sont très utiles et très pratiques pour pouvoir éventuellement aller chercher ce que vous voulez dans votre sac. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous.